Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec le boss Yacine. Salam, salam. Donc là, vous savez que demain, c'est la rentrée d'école 2023-2024. Et je me suis dit, chaque année, on troll Myriam. Viens là, et une dinguerie, on envoie Myriam à 23h à l'école. Ah, papa, t'as un câble. T'inquiète, oula, ça peut bien passer, ça va être grave drôle. Là, on va aller voir ce qu'elle fait, on va passer la journée avec elle. Et ce soir, on la prend à l'école le soir. Je sais pas comment ça va être, mais en tout cas, ça va être des barres de rire. Eh, hey, prends ton air de grand frère méchant que tu fais tout le temps. Je crois Myriam là. Voilà, celui-là, exactement. Ouais, elle est là, les gars, bon. C'est parti. Myriam, tu fais quoi ici en fait? Tu m'as dit que j'avais le droit d'y aller. C'est une blague, t'es en train de faire quoi là? Je dessine. Tu dessines? Ah oui. Attends. Là, t'es en train de dessiner alors qu'il va se passer quelque chose de très important dans quelques temps. Non, j'ai rien fait. T'es sûr que t'as rien fait, Myriam? Oui, j'ai rien. Eh, réfléchis bien, je suis pas encore rigolé avec toi là. Réfléchis, t'as fait quoi? Désolé, j'ai mangé la dernière assiette de pâtes. Quoi? Là, y'est pas dans le micro-ondes là? Qui t'a dit de les manger? Bah, j'avais faim et je mangeais. Bref, je m'en fous de ta vie. Y'a quoi qui va se passer demain ou tout à l'heure? Y'a quoi dans quelques heures? L'école? Oui, l'école. Et t'es en train de faire quoi là? Bah, je dessine. Non, faut que tu te prépares pour l'école là. Tu passes en CM1. Enfin, c'est ça, tu passes en CM1. Mmh. Va me préparer tes affaires, vas-y, vite. Qu'est-ce qui me saoule quand tu fais son air comme ça? Je déteste la rentrée, moi je déteste. Ah oui, normalement j'ai rien oublié. Il a raison de te parler comme ça parce que tu dessines, tu sais pas ce que tu fais alors qu'il y a l'école bientôt. Voir tes affaires, est-ce que t'as tout préparé? Ta trousse, t'as ton dictionnaire, mes lunettes, tes règles, faut que tu ramènes toutes tes affaires là. Ouais. Le premier jour? Bah c'est bon, il faut que tu prépares tes affaires pour demain aussi. Eh hey, mais Yacine, j'y pense. Vous aussi vous allez devoir vous lever tôt pour m'accompagner. Oh là là, tellement bien les vacances, je me rappelle de ce moment à la mer, c'était incroyable. Allez, Yassine, non, arrête, Yassine, y'a pas de choix. Yassine, y'a pas de choix. Arrête, Omar. On va ensemble. Non. 1, c'est parti. Vas-y, 3, 2, 1, vraiment, voilà. 3, 2, 1, go. Oh, il a réussi, regarde, il tient. Je suis trop chaud. Allez, Yassine, maintenant. Allez, c'est parti, c'est clair. Wow, pas mal. Ouais, moi, restez là où vous êtes. Allez. Ah, il se bagarre dans l'eau. La frite, s'il te plaît, la frite. Allez, où donne la frite? Bah, essaye de monter. Merci. Ah, je me suis tué les oreilles. Tu vas réussir, Omar, à monter. C'est un gamin. Il me prend au dépourvu. Allez, Omar, la puissance. Je peux le faire. Allez, bon, Yacine, monte. Il arrive pas à monter. Vas-y, monte, Yacine. Si je monte pas, je me fais avaler par un requin. Oh là là. Pousse. Arrête-le, Omar, arrête-le. Vas-y, viens. Il a plus de force. Viens. Il va y arriver. Yacine, va sous l'eau, prends de la vitesse et vas-y, voilà. Monte. Vas-y. Saute, Yacine. Allez, mon gars. Allez, voilà, c'est bon, maintenant, les pieds. Voilà. Je vous décale, vous êtes sous. J'ai avalé 4 tasses. Mon nez, il est salé, il pique. J'en peux plus. Est-ce que je leur mets la GoPro pour repartir? Ils vont péter un câble à nage atroce. Ouais, test. Regardez, je vais la mettre sur ma tête, je dois aller jusqu'à là-bas. Allez Yacine, te fatigue pas, prends ton temps. Je suis bien. Ok. Là on a pas pied. Oh putain, j'avais une taille. J'ai ma chaussure, elle fait que de s'enlever. Pourtant je te pris une petite taille. Allez. Ils sont bien avec leur matelas. Bientôt arrivé. Il est 8h30, là, vas-y, éteins ta tablette. Et toi tu vas aller manger. Vas-y, ça y est, c'est fini les vacances. On va la ranger pour toi. Je sais pas, va manger, dépêche-toi. Écoute-moi bien. Là, tu vas manger. Tranquillement, je vais te mettre des pommes de terre. Hein. Maman, elle a fait des pommes de terre. Tu me dis stop. Pommes de terre, c'est super bon pour ta santé. Voilà, des bonnes petites. Tu me dis stop. Des bonnes... C'est bon là? Une assez... dernière pincée. Une dernière pincée, t'as intérêt de tout finir. Hein. Et on a du poulet. T'en veux pas de poulet? C'est bien pour l'école, pour demain. Tu veux pas de poulet? Ok. Tu vas manger. Ensuite, tu iras un peu dans ta chambre et je vais t'expliquer ce que tu vas faire, ok? Parce que tu ne crois pas que tu vas dormir à minuit. Hein. Vous faites quoi, là? T'as vu, si
C'est Zidé Charcot. C'est une blague. Mais muet. Zidé Charcot. Hiram, je t'ai dit quoi quand on était en train de manger? Ouais. Je t'ai dit quoi quand on était en train de manger? Bah, je dis, tu vas là-haut et tu te prépares. Il est 21h passé là. C'est vrai qu'il y a de l'école, ça y est. Yacine, allez dans la chambre, s'il te plaît. Va lui dire, elle prépare ses affaires et tu lui dis pour l'école, l'année là va commencer. C'est vrai, on a assez rigolé, on a eu 2 mois de vacances. Il y a de l'école, Myriam, ça y est, c'est fini les vacances. Vas-y, éteins. Vas-y, dans ta chambre, allez, fais-moi montrer ce que tu vas mettre pour demain. Bon, pour demain, tu avais quoi dans ma vie? En vrai, je sais pas, je vais voir. J'avais des nouveaux habits. Mais j'ai pas acheté ça de nouveau. Tu vas mettre ça pour demain. Mais j'ai pas acheté ça de nouveau. Mais c'est à choisir sa tenue. Vas-y, choisis ta tenue tranquille. Mets ce que tu veux mettre. Ok, ouais, jean pas mal. Ça, pas d'éléphant. Est-ce que vous validez son outfit? Ouais, c'est bon. En vrai, vas-y, prépare-le sur son lit. Rien pour cette année. Comme les autres années, je veux pas de bêtises. Je veux des bonnes notes. Je veux que tu travailles bien à l'école. Si t'as des gens dans ta classe qui foutent le bordel, tu t'écartes d'eux, tu vas pas avec eux. Et surtout, très 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 important, tu nous dis tout ce qui se passe à l'école, d'accord? Le jour de la rentrée, tu ne mélanges pas avec les gens qui foutent le bazar. Exactement. Quand tu vas grandir, tu auras ton métier, ça sera plus tes amis. Chacun va prendre sa route. Il y en a, ils vont faire n'importe quoi à l'école, ils n'auront pas de métier, ils seront dans un bourbier. Toi, toujours un bon métier, un bon comportement, tu travailles bien. Et j'espère que tu auras le prof qui te fait sortir vite de la grille et pas le prof qui vous fait sortir en dernier. Là. Ça y est, le plan est en place. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une disquette pour que Myriam se réveille à cette heure-là et qu'elle pense que c'est le matin et qu'elle se dit pas que c'était le soir. Ça va être très dur. On lui dit quoi du coup? Si elle voit, il fait nuit dehors, on dit quoi? On dit, je sais pas, il y a une éclipse ou non? Le taré, vas-y, on va faire ça. Myriam, c'est la rentrée, allez, réveille-toi, comme je t'ai dit hier, c'est la rentrée. Mais allez, réveille-toi. J'ai pas dormi 5 minutes. Comment ça, t'as pas dormi? Laisse-moi dormir. Mais c'est la rentrée, tes profs, ils vont faire comment? Les élèves, tu vas être en retard. Laisse-moi dormir, j'aime pas dormir une heure. Oui, bah tu dormiras ce soir, Inch'Allah. Allez, c'est la rentrée, on se réveille, vas-y. Allez, en mouvement, j'aime en force. Dormir. Oui, t'as pas dormi, c'est normal, c'est le mouvement de la rentrée. Les vacances, tu dormais, allez, réveille-toi. Ah, t'es déjà habillé comme je t'ai dit hier, c'est bien. Réveille-toi, débarbouille-toi et on y va, je t'attends en bas. J'aime pas dormir 5 minutes. Ah, c'est comme ça, c'est la rentrée. Quelle heure là? Je sais pas, Myriam, c'est l'heure de l'école, arrête de réfléchir, il est quelle heure ou il est pas quelle heure. Prends le dans tes mains et passe sur ton visage, ça va te réveiller. Vas-y, ça va te réveiller. Tu vas mettre tes baskets. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est fini les vacances. Mais Younes, j'ai pas faim. Mais Myriam, c'est important de manger avant l'école. Regarde, je vais te faire un petit truc simple. Simple et efficace. Younes, j'ai pas faim. Je veux pas manger, vraiment pas. T'as pas faim? Non. T'as pas faim? Non. Va mettre tes baskets, c'est pas mon problème. Après, tu me dis pas j'ai faim, je sais pas quoi. Je vais demander. T'es pas remarqué le premier jour, hein. T'écoutes ce qu'on te dit, d'accord? Et tu dors pas en classe aussi. Si t'as pas dormi, c'est plus c'est ton problème, t'avais qu'à dormir tôt. Hier, on t'a dit de dormir tôt, t'as pas voulu, maintenant tu te débrouilles. Tu dors pas en classe. Ouais, pourquoi il fait nuit comme à 4h du matin? Eh, pose pas de questions, rentre dans la voiture, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Allez, t'enfermes. C'est qui a pas sa ceinture là? Mettez votre ceinture, je m'arrête. Allez, on s'arrête, on y va pas. La ceinture, c'est qui a pas sa ceinture? Moi, je l'ai. Yacine, mets ta ceinture s'il te plaît. Mets ta ceinture. Younes, je pense pas que je vais assumer la rentrée, je suis beaucoup trop fatiguée. Comment ça tu... Mais attends, c'est une blague. Comment ça tu vas pas assumer la rentrée? Voilà, on va arriver tranquillement. Pourquoi y a personne, Younes? Bah on est en avance, pour une fois on est en avance, allez on y va. T'es vraiment sérieux de me lever comme ça là? Bah c'est la rentrée Myriam, c'est comme ça. C'est fini l'école, ça y est. Anglais, français, SVT, mathématiques, c'est reparti pour un tour. C'est fini l'école. What? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des feux d'artifice, dépêchez-vous. Bombardez. Qu'est-ce qui se passe? What? Attends, wesh! C'est pour la rentrée, je pense. Pourquoi il y a ça? Wesh. Oh my god! Je t'ai dit que c'était la rentrée. What? C'est quoi cette école de fou? Ah, c'est pour célébrer la rentrée, Myriam. C'est pour célébrer ta rentrée? Ouais, bah oui. Ton prof, c'est un malade. Monsieur Guitare, il est fou, monsieur Guitare, il fait des feux d'artifice. Allez, vas-y. Tu vas regarder tes profs, va regarder ta salle. Regardez tes trucs. Non, on va la laisser là. Oh non, c'est quoi? Mais non, c'est quoi? C'est un compte à rebours ça? Attends. Alors, un crayon à papier, ça c'est pour les hockey. Bah, normalement, c'est bon, hein, tiens, reste ici. C'est quoi ça? C'est un compte à rebours, je crois. C'est un compte à rebours, je crois, Yacine, avant la rentrée. Il reste 20 minutes et 21 secondes. Dans 20 minutes, c'est bon? On te laisse là? Pourquoi non?
Bah, t'as le temps que tes camarades, ils arrivent. D'ailleurs, ils sont où tes camarades? Allez, bon. Nous, bah, vas-y, hein, bonne chance. Rentrée, bonne rentrée. Tu tiens bien un carreau à l'école. Vas-y, viens, dépêche-toi. Elle va péter un câble. Elle a perdu. Ouais. Comment ça, on est des malades, c'est comme ça? Vous me laissez comme ça, on dirait qu'il est 1h du matin. L'école, on va pas t'accompagner jusqu'à ta classe. Mais tu veux qu'on t'accompagne jusqu'à ta classe comme les bébés? Mais il fait nuit. On va pas te foutre la honte devant tes copines. Y a personne. Je fasse quoi? Attends, il est quelle heure là? Ça va? 21h30. Là, il est quelle heure? T'arrives là à 21h30, on te laisse là comme ça, demain t'es la première. Demain t'es la première à l'école. Ouais, bah oui. Vous êtes sérieux à me lever à cette heure-là là? Vous avez rien d'autre à faire de mieux? Mais c'est pour que tu sois en avance, Myriam. Vraiment, regarde qu'est-ce qu'ils font, ils vont gâcher ma scolarité. Wallah, les gars, ne sortez jamais le soir. En 15 minutes de prank, on a rencontré des mecs en scooter qui ont failli nous rentrer dedans. Il y avait deux bourrés, des feux d'artifice et des gens bizarres dehors. Ne sortez pas le soir, c'est réel. Myriam. C'est bon, vous me parlez plus. J'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de faire au maximum, mais c'était grave chaud de dissimuler que c'était la nuit. Mets-moi en commentaire, c'est quel jour t'as rentré toi, parce que je sais qu'il y en a, ils font leur rentrée dans 2 semaines, 3 semaines, ils sont grave contents. J'espère que ça vous aura plu, la famille Myriam, elle est un peu énervée, vous inquiétez pas, elle va oublier tout ça. N'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous. Allez, ciao.